Yo, salut tout le monde, ici Akous. Vidéo de reprise, donc cette fois-ci on va partir en PVM. Alors aujourd'hui c'est pas un objectif très ambitieux, on va juste faire un donjon niveau 1, avec quand même une contrainte, hein, sinon ce serait pas intéressant, c'est de nous-mêmes être niveau 1, nos stuff, etc. Bon, c'est pas très ambitieux, mais ça fait quand même un petit défi en tout début de jeu. J'ai choisi de monter une bunlame pour plusieurs raisons. La première est que durant la première alpha PVM, j'ai testé exclusivement des gameplays corps à corps, donc pour changer, je souhaitais jouer la distance. La deuxième est qu'après un an sans toucher au jet, je suis forcément un peu émoussé. Donc pour reprendre la main, notamment sur le placement, il me semblait intéressant de jouer Kra. La troisième est qu'en considérant l'arbre de compétences, j'ai trouvé un bon build avec cette arme. Build que je vous présenterai donc lorsqu'il arrivera à son terme. J'ai d'ailleurs plusieurs builds à vous montrer, mais comme cette fois-ci il va falloir farmer, ça va forcément me freiner un petit peu au niveau du rythme. Donc la première étape consistera à monter le plus vite possible cette bune lame, afin d'avoir plus rapidement accès à d'autres builds. Bon, pour la première salle, ce n'est pas très compliqué, donc il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Mais on essaye tout de même d'optimiser son placement comme on peut. On reprend de bonnes habitudes. L'un des objectifs que j'ai en jouant Kra, et c'est d'ailleurs la même chose en PvP, c'est de n'offrir aucune value à mon adversaire au niveau de ses corps à corps. C'est pour ça que parfois, malgré le fait que j'ai de la jauge, je n'invoque pas mes compagnons. Il est prévu, à terme, d'avoir des compagnons Kra, comme Argolio ou Éclaireur d'élite, qui me permettront d'avoir de la value sans offrir en échange de la value au corps à corps de mes adversaires. Et je pense également glisser un Hacham afin d'avoir un body infini et pouvoir avoir une value maximale sur les bumbons que je vais spammer. Ici on replace pour très peu de PA un cochon afin d'avoir une très bonne value sur notre rebond. Évidemment, on ne place aucun point dans notre arbre de compétences afin d'avoir les mêmes caractéristiques qu'un niveau 1. Très mauvais tour de ma part, ici je suis trop près de ma cible pour pouvoir profiter de mon passif, ce qui fait qu'en fin de tour je n'aurai plus mon bumbon. Ici, mon adversaire a des auras de coups critiques, donc j'accepte de faire fuiter un point d'action pour pouvoir le mettre hors de position. Ici, c'est pareil, je mets hors de position mon adversaire. Encore une fois, l'objectif c'est de prendre le moins de coups de corps à corps possible. On arrive contre le boss. Dans un premier temps, je vais clean l'impératrice et complètement ignorer l'empereur parce que l'empereur a une grosse source de dégâts venant de son corps à corps. Et vu que j'esquive son corps à corps, ça ne me dérange pas de le laisser en vie. Alors là, je ne sais pas si c'est un bug ou si c'est lié au fait que le donjon soit niveau 1, mais les mobs ont juste passé leur tour. Avant de continuer sur l'impératrice, je vais chercher à clean le plus rapidement possible les ninjas,
car il se téléporte chaque tour à mon corps à corps. On arrive au protecteur sacré qui va être garde du corps de l'empereur, donc il va falloir commencer par le clean. Ici j'envoie une petite dérobade pour esquiver le corps à corps de l'empereur. Voilà, il ne nous reste plus qu'à clean de loin l'empereur en faisant toujours attention à l'invocation des deux ninjas qui vont apparaître lorsqu'il sera low HP. Ici, j'utilise mes jauges pour empêcher les ninjas d'être invoqués à mon corps à corps et toujours pouvoir esquiver le maximum de dégâts possible. Cette fois-ci, j'utilise le mécanisme adversaire pour bloquer un de mes flancs et donc n'avoir qu'un seul flanc exposé. Maintenant que je n'ai plus besoin du mécanisme pour me protéger, je vais le détruire afin d'empêcher l'adversaire de générer une aura. Puis on va mettre un terme à ce combat et au donjon. Je profite de la fin de ce donjon pour répondre à une question qui, je pense, va m'être pas mal posée. En ce qui concerne le PVP du jeu, il y a un tournoi qui est prévu samedi. Je me suis inscrit, mais je ne sais pas si je vais réellement le faire. Pour plusieurs raisons. La première étant que je ne suis pas sûr que tous les participants aient le temps de débloquer tous les compagnons. Et personnellement, ça ne m'intéresse pas de gagner parce que j'ai plus farmé que mon adversaire. Mais la deuxième raison, c'est que, contre toute attente, il y a actuellement des effets aléatoires en PVP. Malgré le fait qu'Ankama avait bien précisé que ça ne verrait pas le jour en PVP. Pour ceux que ça intéresse, j'ai fait un post sur le forum, donc n'hésitez pas à y passer et à donner de la visibilité si jamais ça vous semble pertinent. Tout ça pour vous dire qu'il est probable que durant ces prochaines vidéos, il n'y ait que du PVM. On va s'arrêter là. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Bonne journée ou bonne soirée, c'était Akous. Ciao.